Nous sommes présentement dans les studios Mark Nichols Productions et je suis en compagnie de Samantha Miron-Ixo, qui est une artiste en formation des productions MCN. Comment vas-tu, Samantha? Très bien, et vous? Je vais très bien, merci. Alors, Samantha, toi, tu as un cover que tu as enregistré ici même dans les studios de MCN et que tu as publié en ligne. Tu as maintenant plus de 1500 partages Facebook et plus de 18 000 vues YouTube. Comment tu te sens? Par rapport à ça, je me sens vraiment touchée. Je me sens inspirée pour continuer mes covers. Pour moi, avoir un grand public de même qui regarde mes vidéos, je trouve ça impressionnant, vraiment impressionnant. Honnêtement, ça me donne vraiment le goût de continuer. Puis le chant, j'adore ça. Fait que tant mieux si le monde aime ce que je fais. Ça va me donner le goût de percer encore plus. Puis je vais continuer à percer plus. Nous nous sommes faufilés un peu plus profondément dans les studios des productions Mark Nichols et je suis toujours en compagnie de la belle et charmante Samantha Miron-Ixo. Samantha, c'est ici que tu as enregistré tes covers et tes vidéoclips, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Et dis-moi, à quoi ça ressemble une session d'enregistrement dans les studios MCN? Dans le fond, quand on enregistre, il va nous faire pratiquer notre chanson plusieurs fois avant d'enregistrer une bonne prise. Il va vraiment nous aider à être timé sur la track et avoir les bonnes notes quand on chante. C'est quoi travailler avec Mark Nichols? Je dirais que ça nous aide vraiment à nous coacher. On sent vraiment une complicité quand on travaille avec. On peut se sentir à l'aise aussi. Puis on se sent vraiment dans notre domaine, puis il sait vraiment comment nous aider et ça amène vraiment des progressions dans notre chanson. Donc c'est très positif. Oui. OK, ça fait combien de temps que tu travailles avec Marc? Ça fera environ 3 ans. Puis combien de chansons as-tu enregistrées jusqu'à maintenant? Environ 20. Une vingtaine? Soit dit en passant, 20 de chansons, là, c'est 2 albums. C'est énorme. Puis c'est des chansons de qualité. Oui, vraiment. Ça a peut-être beaucoup de temps pour prendre une chanson, mais il faut être patient puis ça donne vraiment un bon résultat. Super. Dis-moi, depuis que tu travailles avec Marc, est-ce que tu sens qu'il a apporté quelque chose à ta carrière artistique, à ton cheminement artistique? Oui, il m'a offert beaucoup d'opportunités, comme la vidéo que je fais aujourd'hui. Les chansons sont vraiment plus professionnelles, un vidéoclip que je vais réaliser bientôt. Alors oui, ça m'a offert beaucoup, beaucoup d'opportunités. Chandelier, Impossible, puis j'ai aussi fait un vidéo sur Summertime Sadness, comme je disais tantôt, avec les opportunités qu'il m'offre et avec le matériel qu'il a dans son studio, ça pourrait vraiment m'aider à atteindre mon objectif. Génial, donc je te remercie beaucoup pour ton temps, ce fut un plaisir de t'interviewer, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc c'était Samantha Miron-Ixo, interviewée par Lisanne. Bye!